Mais où est Djorkaeff? La question reste entière. Yo! Derrière le fauteuil! Je prends trop d'extasy, je le sais. Et en tout cas, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'habitude, ça va au max de ma forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une draft spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, une draft spéciale Euro 2016. Pourquoi? Parce que je suis allé au match France-Russie. Et je me suis dit, c'est bientôt l'Euro 2016. Et les gens aiment bien les drafts, mais les drafts à thème. Donc je me suis dit, simple, tu fais une draft spéciale Euro 2016. Le but de cette draft, je ne prendrai que des joueurs qui sont dans les pays sélectionnés pour la Coupe d'Europe, tout simplement. Et s'il n'y a pas de pays sélectionnés dans la Coupe d'Europe, dans les 5 choix de joueurs, je prendrai le premier dans le doute, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de partir, voir si cette Europe-là, cette Europe qui est la nôtre, va nous donner beaucoup de chance. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner des petites idées, comme ça, hein, au passage. Par exemple, ouais, Djorkaeff fait une draft 100% ça, fait une draft comme ci, fait une draft comme cela. Si vous avez des bonnes idées, si vous voulez que je les fasse, mettez-les en commentaire. Et vous, toi, qui n'as pas d'idée, qui est comme ça, tout posé dans son siège en mode, oui, j'aime bien les vidéos de Djorkaeff, tout ça, sûrement, t'as déjà posé ton like, hein, parce que ça fait plaisir de poser un petit like sur la vidéo de Djorkaeff. Vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais je tiens à vous dire, toi, devant ta vidéo, qui n'a pas forcément d'idées, tu peux aussi descendre dans les commentaires et aller voir les idées qui ont été données et mettre un petit pouce vert sur les idées qui t'intéressent. Comme ça, je vois ce qui intéresse les gens, ce qui n'intéresse pas, etc. Et je m'adapte. Donc voilà, une petite draft à thème, j'espère que ça vous plaira. On va partir directement avec 300 points FIFA, comme vous le voyez. Pour la composition, je vais choisir ça moi-même, hein, avec mes corones, tout simplement. Et on va regarder ça, on va prendre un... Tac, 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 je regarde. Hein, je fais comme chez moi, remarque, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Hein. Je vais prendre un 4-4-1-1, une composition de merde, je la prends, je n'ai rien à branler. J'aime bien la composition à 3. Le 5-2-2-1 est sympa, parce qu'il est très solide, mais le 3-4-3 est vachement mieux. Donc on part sur un 3-4-3. Donc voilà, je me suis trouvé ma petite liste, hein, je ne sais pas si vous allez voir. Avec, attendez, j'essaye de vous le montrer, voilà. Juste ici, toutes les équipes sélectionnées pour l'Euro. Juste là, donc voilà. Comme ça, je ne me tromperai pas. Et donc on part pour les capitaines directement. Sanchez, c'est pas possible. Suarez, c'est pas possible et ça fait mal au cul. Eriksen, je ne sais pas, je vais vérifier. Donc non, Eriksen n'y est pas, il reste donc Ronaldo ou Lewandowski. Et moi, je vous le dis, les mecs, je vais pas prendre Ronaldo. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que moi, ce que je veux, c'est Ronaldo Totti. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre Lewandowski en buteur. Donc là, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir que je fasse les remplaçants d'abord dans la draft. Donc je vais faire les remplaçants tout simplement en continuant. Avec, on va dire, la même chose, quoi. Donc là, on a Neuer, Lloris, Courtois, Casillas et De Gea. Donc autant vous dire, tous ces gardiens sont à l'Euro. Et moi, je vais prendre Neuer parce que pour l'instant, on a un petit Lewandowski. Et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympathique. Donc on continue avec, cette fois, le poste de remplaçant, tout simplement. Rakitski, on peut. Willems, on ne peut pas. Et oui, les Pays-Bas n'ont pas été qualifiés pour cet Euro. C'est chaud, mon gars. Le football, ça va vite, comme je le dis souvent. Fabinho qu'on peut pas prendre, Klein qu'on peut prendre et D'Ambrosio. Et donc je voulais partir, on l'avait dit, sur une Bundesliga. Ça va pas être possible et donc je pense qu'on va mettre tout simplement le petit Klein. En tout cas, voilà, c'est pas un joueur que je pense que je mettrai dans la draft, mais voilà. Ouh, le choix de ouf. Donc là on ne peut pas prendre Alves, on ne peut pas prendre Silva. On ne peut pas prendre Otamendi ni Maicon. Donc en fait on est obligé de prendre Laporte tout simplement. Donc voilà, Laporte qui rejoint l'effectif. On continue direct, on enchaîne avec Oldby, Pardo, Medel, Carvalho et André. Ok, donc on peut prendre tout le monde sauf Medel. Et je pense que j'ai envie de prendre Oldby pour le collectif avec Lewandowski. Après pas mal de Portugais, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais prendre Oldby pour le collectif. Ok, donc là un choix là qui va être assez facile je pense. Pastore on ne peut pas et William on ne peut pas. Il me reste donc Bellarabi, Nasri ou Touram. Et les mecs, ça se pose pas de question. Ça va prendre Bellarabi, vous avez vu les stats qu'il a, c'est monstrueux. En vrai, j'aurais été beau football, etc. J'aurais pris Touram. Parce que Touram c'est un joueur que j'adore. En tout cas en milieu centre. Mais là, Bellarabi, quoi les mecs, Bellarabi. Pouh, les joueurs qu'on a ici là. Kevin Volland, Di Maria, Memphis Depay, Candreva et André Pierre Gignac 82. Alors pour avoir testé pas mal de ces joueurs, déjà pour vous le dire, hein, Depay ne peut pas être pris, Di Maria ne peut pas être pris. Donc il nous reste Gignac, Candreva ou Volland. Et mec, pour le collectif, on va prendre Kevin Volland, tout simplement en espérant voilà, qu'il y ait un bon collectif avec Bellarabi, Volland et Lewandowski. Ok, donc ici, choix de merde, pas intéressant. Zarate, Dean, Rodriguez, Hassan et Al-Shalawi. Donc là, tout simplement, hein, je pense que je vais prendre Lucas Digne. Attendez, je réfléchis vite fait. Tac, 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 tac. Oui, de toute façon, les autres ne sont pas dans l'union
européenne, enfin je sais pas, mais en tout cas ils font pas l'euro quoi, tout simplement, me cassez pas les couilles. Ou le gros choix. Là t'as un gros choix, alors je sais déjà les mecs, ça se trouve je vais faire des erreurs, ça se trouve je vais bégayer, je vais mettre des joueurs comme ça, qui sont pas l'euro, etc. Je fais de mon mieux hein, pour essayer de gérer les 24 prix à l'euro, etc. avec ce qu'on propose. Alors ici, un choix intéressant. Alors on peut prendre beaucoup de joueurs dans cette truc, donc là j'hésite surtout entre Bale et Konoplyanka, qui sont deux joueurs que je peux prendre. Et donc je vais prendre Gareth Bale. Après, faut voir si on a un peu de collectif. Alors ici, c'est intéressant. On a eu Gareth Bale. Après, je sais pas s'il y a dedans. Il n'y a pas de lien entre le défenseur droit et le milieu droit. Donc le mieux, ce serait d'avoir un joueur pour le collectif avec Bale. Ici, comme vous voyez, je ne peux pas faire de collectif intéressant. Jérémy Toulalan serait peut-être le meilleur joueur à prendre. Mais je pense dans le doute que je vais prendre Demarcos. Mais il n'y a pas de défenseur droit dans cette compo. C'est un peu con. On va prendre Toulalan, on ne sait jamais. Peut-être pour le collectif, un joueur français. On a déjà Laporte en français. On va voir ce que ça donne. Ici, déjà des meilleurs choix. Des meilleurs choix, donc Navas, Neymar, c'est pas possible. Mkhitaryan, c'est pas possible non plus. Et Mana, c'est pas possible. Il nous reste donc que Lorenzo, il signe. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre Lorenzo. On enchaîne encore une fois. Allez, donc Cavani, man of the match, c'est pas possible. William, c'est pas possible. Demarcos, défenseur droit. Kameni ou Neymar, donc là, on n'a pas non plus le choix. Demarcos, version inform. Et on enchaîne encore une fois avec le dernier remplaçant. Et là, on a beaucoup plus de choix directement. On a Umtiti, défenseur central, Marek Hamšík, Soriano. J'ai envie de prendre Müller, mais j'hésite aussi avec Umtiti. Parce que Umtiti, tout d'abord, ça fera un bon lien. Et après, Müller, le collectif, il serait monstrueux avec, avec Lewandowski. Donc j'hésite. Parce qu'on a déjà Gareth Bale. De toute façon, il se serait bien de mettre Gareth Bale. On va prendre Umtiti. On va prendre Umtiti, c'est décidé. Parce qu'il faut que je mette Gareth Bale côté droit de mon attaque, c'est obligatoire. Allez, on commence avec l'ailier gauche. Espérons un ailier gauche sympathique. Brahimi l'avait dit. Nolito. Bah Nolito, obligatoirement. On ne peut pas choisir un autre joueur. Allez, on continue avec l'ailier droit. Allez, encore une fois, ailier droit de qualité, je l'espère. Di Maria, encore une fois. Mais ce sera Williams, je pense. Ouais, ce sera Williams. Je regarde Kandreva, non, Williams, allez hop, c'est parti. Milieu droit cette fois, en espérant tomber sur un milieu droit qui aurait un peu de collectif. Ouais, on va prendre Bruma pour le collectif avec Bale, si on a à le mettre, hein, je ne sais pas. On va enchaîner avec les milieux, ce serait bien un petit milieu du Real Madrid. Non, on n'a pas, mais en tout cas on a Thiago Alcantara qui fera le collectif parfait avec son poteau Lewandowski. Et je le voulais ce joueur du Real Madrid pour le petit Gareth Bale. Et c'est parfait, on a Toni Kroos qu'on va s'empresser de prendre directement, l'allemand directement, voilà, on échange les deux. Et là on va pouvoir mettre, regardez-moi ça, tout simplement le petit Gareth Bale qui aura le collectif, d'accord. J'ai envie de remarquer un truc, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'ailier droit et le milieu centre. Ça fait plaisir, attendez, si on fait ça comme ça et comme ça, peut-être que ce sera mieux. Peut-être que c'est mieux, en tout cas, on verra après. Allez, milieu gauche, on aura donc du Konoplyanka, là, je pense, il n'y a pas trop de choix à faire. On continue, tac, Koulibaly pour la défense 100% française. Oui, je pense qu'on va prendre Koulibaly, nickel. Autre défenseur central, on continue, Perrin, Piqué, Chedjou, compagnie. J'ai envie de prendre Perrin, encore une fois. Donc on va rester sur une défense 100% française. On continue, si on pouvait un autre français en défense, ce serait pas mal. Non, il n'y a pas pour l'instant, donc on va partir je ne sais sur qui. On va partir peut-être sur un... Allez, il nous faudrait ouais peut-être un Martinez, ouais, qui ça pourrait faire le collectif, c'est sympa Martinez. Ouais, Martinez. Et au poste de gardien, ce serait bien un gardien français, les mecs. Et ben on n'aura pas. On aura un vieux gardien, donc là je m'en bats les reins. On va prendre Yoel, tiens, voilà. Donc voilà, le draft est fini. Je vais essayer de l'optimiser. Vous pourrez m'aider à l'optimiser, les mecs. C'est parti. Left to win. Nanana. 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 Left to win. Son of the. Donc voilà, en termes de collectif, c'est le mieux que je peux faire avec cette draft Europe, on va dire, entre guillemets, draft Euro 2016. Voilà, donc une note de 83, un collectif de 89, c'est pas dégueu. On va voir ce que ça donne avec un entraîneur. Ce serait bien un entraîneur de BBVA. On n'en aura pas, comme ça c'est réglé. Peut-être cet entraîneur-là, vu qu'il est espagnol, ça nous ferait 90. Là, 90 aussi. 89, et là donc 89 je pense aussi, non 92 vu qu'il y a plus d'allemands, ok, donc on va prendre lui. Donc voilà, 92 de collectif,
petit résumé de la draft. Donc voilà, une draft avec quand même 176 notes générales, ce qui est pas dégueulasse pour une draft faite avec que des joueurs européens. J'essaierai de faire des drafts spéciales Afrique, des drafts spéciales, je ne sais pas moi, Asie, Amérique, etc. Amérique du Sud plutôt, je pense, sera un petit peu plus intéressant. Voir ce que ça peut donner. En tout cas, voici l'équipe qu'on a réussi à se concocter. Une belle équipe avec du Lewandowski, du Gareth Bale, du Insigne quand même 84. De bons joueurs, beaucoup de joueurs in form. Sur le banc, on a quand même un Neuer 92, un Konyoplanka 84, un Umtiti 80. Vraiment une belle équipe. Je sais pas si on peut faire mieux au niveau collectif, mais moi maintenant, j'ai relevé un défi, c'est à vous de relever le défi. Si vous avez envie de voir les matchs de cette draft, tout simplement, si ça vous intéresse, parce que beaucoup de gens sont intéressés juste par le build de la draft, bah les mecs, c'est à vous de jouer. Je pense qu'on va faire un objectif de 800 likes pour cet épisode. Si vous arrivez à plus de 800 likes, vous aurez les matchs de cette draft, tout simplement. C'est pas du chantage, c'est juste pour savoir si vous avez vraiment envie. Hein, je sais que, par exemple, une vidéo de 30 minutes, vous allez regarder que les 10 premières. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui vous intéresse. Donc là, si vous êtes vraiment intéressé parce que l'équipe vous plaît, tu poses un like et comme ça, je verrai si oui ou non vous êtes intéressé pour avoir les matchs de cette draft. Donc voilà, je vous rappelle, 800 likes, 800 likes there pour avoir les matchs de cette draft tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à poser un like. Je te rappelle que tu peux donner toutes tes idées en dessous dans la description pour une prochaine draft à thème. C'était Joe, la bise.